Assalamu alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et le Coran lui-même le mentionne, que chaque doigt est répondu par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il te donne ce que tu veux, soit il te donne quelque chose d'équivalent, soit il t'éloigne de quelque chose. Et dans ce bref rappel, je vais mentionner les trois principaux facteurs qui empêchent l'exercice d'une doigt, d'une invocation. Il y en a plus de trois, mais la vidéo sera trop longue pour ça. Numéro 1, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la doua d'un cœur distrait, min qalbil khafil. Si ton cœur n'est pas dans la doua, tu ne fais pas de doua. Si tu ne fais que répéter quelque chose dans un livre, si tu dis des choses comme un perroquet, si tu n'as aucune idée de ce que tu dis, si tu n'as pas d'ikhlas et de taqwa, tu ne fais que marmonner des phrases. Le professeur Salam a donc dit qu'Allah n'accepte pas la doua de celui dont le cœur est ailleurs. Tu veux donc que ta doua soit exaucée? Alors tu ferais mieux d'y mettre ton cœur et toute ton âme et en ayant la certitude qu'Allah va te répondre. Tu sais ce que tu dis et tu le dis avec du sens. Et c'est pourquoi lorsque tu fais une doua, il est préférable de la faire dans ta propre langue, du fond du cœur, plutôt que de répéter quelque chose en arabe que tu ne connais pas, à moins que tu aies appris la traduction des sens. C'est le premier obstacle. Si tu dis simplement des choses, ce n'est pas comme Astaghfirullah, une formule magique. Non, cela doit venir du cœur. Le deuxième obstacle à l'acceptation de la doua est la question de la nourriture et de la boisson haram. Le fait de manger et de boire avec de l'argent haram. Ainsi, lorsque ton corps est nourri avec de l'argent haram et que tu ne te soucies pas de l'origine de ton argent, dans ce cas, la doua sera rejetée. Et le professeur Salama a donné l'exemple du voyageur qui est loin de sa famille. Il est fatigué, poussiéreux, échevelé et il est tout seul. Il lève ses deux mains vers Allah et dit « Ya Rabbi, aide-moi, Ya Rabbi, aide-moi ». Tout va s'arranger pour lui. Mais le professeur Salam a dit alors « Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Alors comment pensez-vous qu'on lui répondra ?» L'un des principaux obstacles à l'exercice de l'invocation est donc de ne pas avoir de risque subsistance halal. C'est pourquoi nous devons faire très très attention à l'endroit où nous gagnons notre argent. Donc manger ce qui est interdit par la charia est l'une des causes du non-exercement de l'invocation. Mais si l'individu concerné se repent sincèrement à Allah, le Très-Haut, alors son repentir sera accepté et sa doua exaucée. Inch'Allah, car le repentir efface tous les péchés antérieurs et celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'a jamais péché. Le troisième obstacle à l'exercement de la doua, le prophète sallam a dit « Allah répondra à chacun de vos doigts tant que le serviteur n'est pas hâtif. » Les sahaba ont dit « Qu'entends-tu par hâtif, Ya Rasulullah ? » Est-ce que cela signifie que nous lisons une doua rapide plutôt que lente ? Le professeur Salam a dit « Non, le hâtif, écoutez ceci, c'est celui qui fait la doua. Il ne voit pas la réponse, alors il dit « Allah ne va pas me répondre. » Et il arrête de faire des doigts. Il arrête de faire la doua parce qu'il ne voit pas son effet. Le professeur Salam a dit « Qu'Allah répondra tant que vous n'abandonnez pas. » Donc abandonner et dire qu'Allah ne va pas répondre à ma doua est l'une des principales causes du non-exercement de la doua. Pour résumer et conclure, premièrement, Allah n'acceptera pas ta doua si tu as un cœur distrait. Deuxièmement, si tu ne te soucies pas de l'origine de ton propre argent. Et troisièmement, lorsque tu es hâtif dans la doua. Donc ne fais pas ces choses et Inch'Allah, Allah exaucera tes doigts. Wallahu a'lam, qu'Allah exauce nos doigts. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.